Bonjour Nathalie, Aurore. Bonjour. Bonjour Calo, bonjour Aurore. Et bonjour à vous deux. Siamo qui oggi, estamos aquí, perdón, hoy, porque vamos a hablar, según nuestro punto de vista como profesionales de la hipnosis esotérica, entonces vamos a ver nuestra opinión profesional con respecto al tema del coronavirus. No vamos a hablar de lo que ya hablan en los tres diarios, vamos a dar otro punto de vista. Bien. Nous nous sommes donc réunis tous les trois aujourd'hui comme professionnels de l'hypnose régressive pour partager avec vous quelque part notre point de vue, notre opinion ou nos perspectives sur cette crise du coronavirus. Donc on ne prétend pas relayer ce qui sort déjà dans les informations, dans les médias de masse. C'est un point de vue plus personnalisé. Entonces, vamos a empezar con Nathalie, operador del Team Grifasi, luego con Aurore, operador del Team Grifasi, y Carlos Giraud, Opérateur de representante, Team Grifols, représentant. representante del Team Grifasi. Bien, donc, Nathalie, donc, comme on s'est mis d'accord il y a quelques minutes, donc, en tant qu'opératrice de la Team Grifasi, c'est toi qui va commencer. Donc, D'accord. on t'écoute. À toi. OK. Bien. D'un point de vue professionnel, disons, ça fait déjà 5 ans que donc, je fais des hypnoses régressives ésotériques. Et donc, j'ai eu pas mal d'informations sur cette fameuse épidémie à travers pas mal d'hypnoses, en fait, sur ces 5 dernières années. Donc, ça fait déjà bien 3 ans que ça revient souvent, le sujet, à travers les interférences, donc les entités qui préparaient quelque chose de ce type, en fait, déjà. Je ne sais pas si je continue ou si tu traduis, en fait. Non, non. Comme Ok. on s'adresse au Ok. public français, ni toi ni moi n'allons subir de traduction jusqu'à l'eau. D'accord, Only French. ok. Donc, l'information était que des interférences des entités de profils différents, mais particulièrement des profils reptiliens ou insectoïdes, s'étaient mis d'accord plusieurs fois pour créer de nouveaux virus, notamment un au niveau mondial. Pour réduire la population mondiale, mais surtout pour instaurer un programme, en fait, derrière. Et c'est une information qui revenait. Mais c'était beaucoup retardé parce qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux, leurs intérêts, enfin, c'était confus. Cette information, donc, je l'ai eue régulièrement. Quand est-ce que ça allait sortir? Ben, on n'a pas vraiment eu de date, de période, mais c'était des menaces, beaucoup de menaces de type quand on vous aura affaibli, quand on vous aura contrôlé. Quand ces programmes seront mis en place, on sortira, on se révélera, des choses comme ça en fait. Bon, il faut savoir que je prends toujours l'information à son niveau, on va dire. Et donc, je n'ai pas trop pris au pied de la lettre, je ne suis pas rentrée dans la peur ou quoi que ce soit, parce que de toute façon, je n'adhère pas à leur concept. Mais. C'est vrai que c'est quelque chose qui revient depuis plusieurs années à travers les hypnoses. Et donc, je n'ai pas été surprise, puisqu'il y a quelques mois, de mon côté, j'ai commencé à dire à mon entourage de préparer des réserves ou des choses comme ça, puisque l'information devenait de plus en plus récurrente, en fait. Donc, pour moi, le corona, c'est l'information que j'en ai, c'est quelque chose de créé, c'est quelque chose de volontaire, mais c'est surtout une porte. Un autre programme au niveau mondial, en fait, qui c'est les suites. Il y aura un avant et un après, un peu comme le 11 septembre, en fait. Ça, c'est l'information récurrente. Je peux continuer ou si vous avez des questions, non, je continue. Lo que quieras, si quieres continuar, continúa, si no, nos das la palabra, eres libre. Ouais. Está preguntando Natalie si tenemos preguntas para enriquecer la conversación o si la dejamos seguir así por sí sola. Sí, sigue, porque de la forma yo estoy completamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Alors, Calo ce que je... comprend Oui. absolument tout et il est d'accord avec tout ce que tu dis, donc il n'a pas envie de t'interrompre. Ok. Très bien. L'information qui est aussi récurrente, c'est que les êtres humains ont des programmes, en fait. Interne, plein de programmes, en fait, on est programmés
à plein de niveaux, mais particulièrement au niveau des cellules, au niveau de l'ADN, au niveau des ondes électromagnétiques. Il y a tout un système qui a été mis en place. C'est une information qui revient aussi beaucoup, comme quoi à travers les ondes électromagnétiques, à travers les nanoparticules, le fluor, la malbouffe, tout ça c'est lié et ça crée des possibilités de contrôle sur les organismes assez importants. Et le virus, donc, ce type de virus permettrait de créer des clés, des portes d'accès, notamment à un programme derrière de contrôle de masse. Mais ça rentre dans tout un programme, les manifestations, c'est à grande échelle en fait, c'est pour contrôler la masse. Donc ça a commencé par des programmes gouvernementaux de pression sur le peuple, d'actions multiples dans le monde. Les églises par exemple sont très liées, enfin, c'est pas que les églises, c'est en général tous les points, les lieux de culte anciens. Où il y a eu aujourd'hui, il y a des monuments religieux, sont des portes d'accès apparemment. Il y a eu des conflits qui ont généré des énergies, des fréquences, qui ont contrôlé le peuple. Et le peuple s'est un peu engouffré là-dedans. Et du coup, c'était facile pour eux après de placer ce programme de virus pour pouvoir mettre derrière la vaccination de masse et le contrôle de masse une nouvelle société, en fait, qui pourrait se voir jour derrière. Un effondrement, quelque chose qui, dans ce sens-là, pour pouvoir avoir la mainmise sur une récupération de masse des énergies de basse fréquence. La peur, l'impuissance, la colère, le stress, enfin, tout ça, c'est quelque chose qui doit maintenir le système en place ou permettre à ce nouveau système de se mettre en place et que le peuple, si on le maintient, il va fournir cette énergie, en fait. C'est l'information. Que j'ai. Et le coronavirus est une stratégie de pointe mise en place qui suit tout un programme qui date, alors c'est une information que j'ai aussi eue sous hypnose, qui date déjà bien avant la Révolution française, en fait. J'ai lu plusieurs fois cette information. Donc c'est pas dit, là maintenant c'est un long programme qui sont des points de basculement, en fait. Voilà, ça c'est les informations que j'ai le plus récurrent, les plus importantes et qui reviennent, peu importe qui est sous hypnose, peu importe la conscience, peu importe les interférences, c'est une information qui est récurrente en fait, et la même. Voilà. Voilà ce que je peux dire sur ce que je sais modestement au ce jour. Ah si, et les fréquences sont très importantes pour nous. La réponse qu'on peut avoir, c'est de maintenir des fréquences élevé et une volonté farouche de s'opposer à toute forme de contrôle, en fait. Merci Nathalie. Voilà. Merci. Moi, j'aurais quelques questions, mais je ne vais pas les poser dans ce cadre-là, mais toujours ma curiosité insatiable. Elle est muy intéressante en réalité, parce qu'elle a compartido informaciones extraídas de sesiones. Y hay una que es muy interesante. Dice que en muchas sesiones sale, ¿sabes?, un programa como preescrito de este virus ya nacido durante la Revolución Francesa. O sea, hablamos ya de muchos años, Entendí algo como Revolución Francesa, pero ¿no? tenía que meterlo en algún contexto, ¿no? Gracias, Aurore. Il avait compris Révolution Française, mais il n'arrivait pas à le mettre dans le contexte. Ouais, j'imagine. Okay. Merci, Nathalie. Merci, Gracias Mathieu. por estas informaciones muy preciosas. Merci. Merci pour ces informations précieuses. Pero estoy seguro que va a Aurore, à toi. bien. Alors, moi, j'ai essayé de prendre une autre perspective à ce qu'on était en train de traverser. Donc, parmi l'ensemble des sujets qui étaient à ma portée, j'ai décidé de partager avec vous des informations sur l'esprit. Il y en a tant, n'est-ce pas? Donc, laquelle, me direz-vous? Je me suis intéressée au pouvoir de l'esprit, au pouvoir qu'il a sur nous. Si on reste un instant dans le cadre des sessions d'hypnose régressive, autrement dit notre principale plateforme de travail au quotidien,
On s'intéresse à une étape essentielle après la session qu'on appelle métabolisation. Autrement dit, c'est un temps de consolidation des informations relayées en session, comme un état d'attente de cet équilibre recherché entre corps physique et corps énergie. On parle toujours tous les trois de temps. Il faut du temps parce qu'il y a différentes densités dans lesquelles évolue à chaque instant chacun de nos corps. Après plusieurs milliers de cas observés, on a relevé un temps moyen de métabolisation de 6 mois. Pour autant, dans certains cas, on peut apprécier un temps relativement plus restreint. On a, j'imagine, tous les trois, des cas où le client va nous parler d'une métabolisation dans l'heure, voire la journée ou la petite semaine. Outre le niveau de conscience du sujet, il est indéniable alors qu'un autre élément doit être mis en avant, c'est-à-dire le pouvoir qu'il a avec son propre esprit et l'utilisation qu'il en fait. Pourquoi est-ce que je parle de ça? Parce que dans notre situation présente en mars 2020, aussi bien en Europe qu'ici en Amérique du Sud, on vit ce que les médias appellent en ce moment une crise pandémique. J'utilise pour le moment parce que chacun d'entre nous est appelé dans le cadre d'une vaste et mondiale œuvre de co-création à créer et subir dans le futur une crise des institutions. Une crise économique, sociale, psychique, on a la sensation que le Covid doit être une crise dramatique. C'est comme ça que c'est relayé en tout cas. Donc à ce stade, on a le choix, tout comme en session, soit devenir un membre actif, participatif de cette co-création mondiale, ou, et je dis bien ou, nous recentrer et nous permettre de traverser les influences de cette co-création le mieux possible. Je n'ai pas la prétention de présenter un manuel complet de conduite à tenir, une sorte de guide de survie en cas de crise pandémique. Je me suis permis simplement de chercher quelques informations sur des phénomènes illustrant le magnifique pouvoir de l'esprit sur son corps. En commençant par cet exemple. Il y a un célèbre chercheur du nom de Bruce Lipton qui a déclaré que les croyances contrôlent la biologie de nos corps humains. Là, en ce moment, les questions qu'on se pose, serais-je malade? Comment survivre? Ou alors, dans le cas contraire, comment faire en sorte de ne pas être affecté par ce qui se joue autour de moi? Il y en a certains aussi, j'ai vu, qui sont dans le déni. Ils s'enferment, ils se coupent des médias, ils ne veulent rien savoir. Mais dans tous les cas, que vous vous enfermiez ou que vous vous posiez ces questions, serais-je malade? Vos pensées restent liées à cette crise mondiale, à l'énergie autour de cette crise mondiale. Donc, comment vraiment échapper aux influences à l'œuvre? C'est ça la question à se poser. Afin d'illustrer encore mon raisonnement, j'aimerais vous parler rapidement. Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vraiment à titre illustratif. Si on parle de placebo, un placebo, on rappelle ce que c'est. C'est un médicament que l'on administre sans qu'il ne contienne de molécules actives. Donc normalement, il est complètement inefficace sur la guérison. Le mot même de placebo n'a pas d'importance, mais tout ce qu'il revêt, l'influence que nos croyances peuvent avoir sur nos corps. Il y a un chirurgien orthopédiste qui s'appelle Mosley, qui cherchait en 2002 à comprendre quelle partie de la chirurgie guérissait les patients. Il a ainsi mis en place trois groupes tests. Dans le premier groupe, sur ses patients, il effectue un curetage de l'articulation. Dans le second groupe, il administre un lavage de la zone enflammée. C'est ce qu'on fait d'habitude dans tous les cas quand on souffre d'arthrite du genou. Et pour le troisième groupe test, le chirurgien se contenta d'emmener ses patients en salle d'op. Il a incisé le genou, il attend 40 minutes et il referme. Quels ont été les résultats? Eh bien, comme on s'en doute un peu, les deux premiers groupes ont connu une nette amélioration de leur état physique. Et le dernier groupe test.
Eh bien, les patients ont connu exactement les mêmes résultats d'amélioration physique que les deux premiers groupes. Et les talents de Moselle n'y ont été absolument pour rien. Il est là notre pouvoir de création. Si nous cessons d'être dans le déni de ce que nous pouvons penser, faire et réaliser sur nos corps physiques. Imaginez alors ce que nous pourrions faire et co-créer dans la matière. Les exemples sont légion. Certains médecins ont mis en place des sortes de prothèses virtuelles que l'on met en place pour les personnes amputées. Eh bien, elles souffrent. Elles souffraient de douleurs fantômes et puis avec ces prothèses virtuelles, ces douleurs fantômes disparaissent. Le cerveau leurré, la douleur diminue. Donc, je n'essaie pas de mettre en exemple ou en exergue cette valeur de l'heure, mais du véritable déni de notre pouvoir de création. Si on s'intéresse maintenant à l'effet nocebo, qui est le contraire du placebo, qui est l'action de la pensée négative sur le corps physique, on voit à travers une émission parue en 2003 qui s'appelle Mind of Medicine, un médecin américain qui raconte l'histoire vraiment, vraiment intéressante d'un de ses patients qu'on va appeler Sam. Sam est atteint d'un cancer de l'œsophage en 1974, date pour laquelle on n'a pas encore développé de cure pour lutter contre ce type de cancer. On dit à Sam, dans quelques semaines, Sam, eh bien, ton corps va s'éteindre à cause de ce cancer. Eh bien, voilà l'histoire de Sam. Il est mort quelques semaines après l'annonce de son diagnostic. Et quand, quelques jours après sa mort, on a effectué cette autopsie, ils ont ouvert le corps et ils ont découvert quelques taches, mais principalement dans ses poumons, pas dans l'œsophage. Il n'y avait pas de traces de cancer dans l'œsophage. Les médecins s'interrogèrent alors en se demandant, mais de quoi Sam est mort alors? Sam est mort parce que ses médecins lui ont dit qu'il était condamné. Il est mort parce que sa famille le pensait, le voyait condamné. Donc toute sa réalité physique co-créait la mort de Sam. Sam a simplement répondu favorablement à cette stimulation externe, en syntonisant son corps avec cette énergie, se l'appropriant, et son corps s'est éteint. Donc, je le répète, à mon sens, cette histoire est triste, non, mais passionnante, parce qu'elle met à merveille la force incroyable que peuvent avoir nos croyances, nos constructions mentales et énergétiques dans l'élaboration de notre réalité physique et donc de notre santé. Si on revient maintenant à notre thème d'aujourd'hui, nous voyons l'importance que revêtent nos croyances dans l'approche de la situation liée au Covid. Et vous vous rendez compte que je dis bien Covid et pas coronavirus? Nathalie, j'imagine que tu dois déjà savoir pourquoi, mais si on épelle coronavirus, coronavirus. On va lui préférer Covid. Co dans le sens de co-création, vide, pourquoi pas dans le sens de vida ou de vie, mais disons que le mot a une saveur un peu différente. Non? Pour résumer donc, changer ses croyances, c'est indirectement modifier la chimie cellulaire, la chimie de mon corps, de mon activité génétique, donc me maintenir en meilleure santé. Si je vis cette épidémie comme d'autres, en m'imaginant dans ce film avec Brad Pitt, je ne sais plus trop le nom, je crois que c'est War Z, en imaginant que si j'attrape le virus, je vais me transformer en zombie, ou que tristement, je m'imagine, et c'est ce qui se passe en ce moment en France, ou c'est ce qui se passe ici chez moi aussi, c'est ce rideau de corbillard avec ses chants funéraires, eh bien c'est clair, je vais penser que la crise, elle est déprimante, elle est injuste, elle est effrayante, et puis elle est paniquante. Mais si je change mes filtres de perception de ma réalité physique, et si je parviens à élever ma dose d'optimisme, rien qu'un peu, alors mes fréquences changent. Et pas seulement mes fréquences, mon humeur, mon comportement, ma relation à l'autre,
à moi-même. Donc, de manière générale, je suis plus heureuse au quotidien. À ce stade, le choix toujours qui s'impose pour ces prochaines semaines. Ou avoir cette sensation de vivre dans un bunker en attente de sirènes d'alarme signalant le danger, la menace planant à chaque seconde, à chaque coin de rue, à chaque inspiration même, ou à chaque regard croisé avec un autre humain qui traverse en face de moi. Ou l'autre choix, respecter forcément ce confinement, qui prend alors pourquoi pas une valeur de cocooning, de bien-être, de repli sur soi salutaire. Ça fait rire beaucoup de personnes, mais je dis souvent que moi et moi, on s'entend plutôt bien. Eh bien, c'est un moyen, si on n'arrive pas forcément à supporter, d'apprendre à le faire, d'apprendre à s'écouter, à se connecter à soi. C'est le moment pour vous de terminer votre série favorite, d'apprendre une nouvelle langue, de prendre soin de vous, de vos proches, de ceux qu'on oublie, pour lesquels on se donne des millions d'excuses pour ne pas entretenir la relation avec nos proches. Et pour ceux qui gardent des préoccupations parce qu'on est nombreux à en avoir, non? Ceux qui sont indépendants professionnellement, ceux qui ont vraiment cette crainte du lendemain, eh bien, vous, plus que quiconque, soyez les bâtisseurs de cette co-création, dans laquelle Covid ne serait, c'est pas un vulgaire moustique qu'on balayerait d'un revers de la main, voire qu'on écraserait. Donc, prenez soin de vous avec quelques mots d'ordre, confinement, pourquoi pas un peu de soleil et d'alimentation, et souvenez-vous bien, les croyances humaines ont plus de pouvoir que la réalité physique. Et j'ai fini. Merci, Aurore. Entièrement d'accord. Cuando oigo hablar francés de una forma también muy clara y tranquila, digamos, no deprisa, logro entender los conceptos. Donc il dit quand il entend parler le français de façon dans un rythme relativement normal avec des mots assez segmentés, il dit qu'il arrive à comprendre. Significa que entendiste lo que dit dicho, Sí, más o bueno, menos. yo creo que lo he entendido. No sé qué entendí. No, no sé Il si dit, je realmente lo crois que tú avoir entendu un peu. dices. Ok. Merci, Aurore. Bueno. Et maintenant, je cambio de uniforme. Ahora. No sé si me voy a repetir en lo que voy diciendo porque no todo lo he agarrado desde el francés. Donc, je ne sais pas, peut-être je vais répéter certains concepts que tu as développés, toi, Nathalie, ou peut-être moi, parce qu'il n'a pas tout compris. Bueno, de toute manière, qu'elle est intéressante. Entonces, voilà. Entonces, yo hablaré de este tema. Ah, primero, perdón por el pelo, porque lo tengo demasiado largo. No sé cuánto me irá a crecer en estos días hasta que abran las peluquerías. Pues, así estoy. Il présente ses excuses pour l'apparence sous laquelle il se présente. Il dit qu'il a les cheveux longs, ce qui sûrement ça va continuer. Que ça va continuer à pousser. Il ne sait pas trop comment il va se présenter dans quelques semaines. Te puedes comprar unos cochales, ¿sabes? A table. Sí, tendré que ir un día que voy al supermercado porque aquí la cuarentena es que está todo el mundo está cerrado, entonces no puedo ni ir a cortar el pelo. Il dit non, ici, là où il est à Madrid, tout est absolument fermé. Ils ont juste accès au magasin d'alimentation. So yo veré el tema de un punto de vista bastante esotérico, o sea, me voy a alejar un poquito de lo que es lo físico de todos los días, de la fisicidad. Bien, donc au contraire de moi, il va plutôt s'éloigner de toute réalité physique et on va plonger réellement là maintenant dans le domaine de l'ésotérique. Nosotros trabajamos con hipnosis regresivas para solucionar problemas de interferencia esotérica. Donc, on travaille avec l'hypnose régressive pour solutionner les causes ésotériques des problèmes présentés par nos clients. Y la persona soluciona, resuelve su problema cuando ha entendido la causa de su problema y entonces la soluciona. La personne résout son problème quand elle comprend la cause de son problème, problème qui se voit solutionné.
cuando haya entendido esta persona qué es lo que lo ha llevado a tener este problema, cuando ha entendido que era aquella parte que necesitaba entender de sí mismo para ser una conciencia independiente, soluciona. Donc, quand cette personne revient sur la cause ésotérique de son symptôme, de sa préoccupation, donc on parle véritablement de concept de compréhension, de traitement de ce problème, la situation se dénoue pour lui dans le présent. Entonces, esta situación del coronavirus a nivel internacional, esta pandemia, no es nada más que una interferencia colectiva. Donc il dit cette situation du coronavirus au niveau mondial n'est rien qu'une vaste interférence collective. Esta vez, la humanidad, como conciencia única, colectiva, ¿qué ha hecho? Ha creado su interferencia. Cette fois, l'humanité comme conscience collective a créé son interférence. ¿Qué necesita entender la humanidad para solucionar su interferencia? Que doit comprendre l'humanité pour solutionner cette interférence? Ahora que está todo parado, el mundo se ha parado, entra en crisis. Et là, maintenant que tout est arrêté, que le monde entier est en état de crise. A lo mejor este modelo de sociedad no funciona, basta compararse un poco para fracasar completamente y derrumbarse. Donc là, on se rend compte que le modèle de société ne se comprend pas, atteint ses limites. Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Tout va encore s'effondrer, encore plus? No todos dan síntomas, aunque tengan el virus en su cuerpo. A lo mejor quien somatiza este virus tiene esta necesidad de entender esa parte que le falta. Físicamente, ¿quieres Oui, decir? oui. Donc il dit, la majorité des gens vont porter le virus sans développer une symptomologie apparente, non? Donc il dit, ceux qui développent ces symptômes, qu'est-ce qu'ils doivent comprendre par là? Si yo hiciera una sesión a la humanidad infectada por ese virus, saldría una interferencia, así como salen todas las sesiones ad persona. Donc là, si je réalisais une session au niveau mondial à l'ensemble des malades, je veux dire, il sortirait une interférence qu'il nous faudrait traiter. Y saldría que alguien que controla la humanidad, alguien que está ahí arriba, moviendo toda la Matrix, ha elaborado un virus alterándolo. Donc on verrait que quelqu'un en dehors de cette humanité a développé ce virus et l'a altéré. Este virus, que es un virus influencial, es un virus de gripe, ha sido potenciado para, primero, propagarse súper rápido. Ce virus de grippe a été altéré, il a été potentialisé afin de le rendre beaucoup plus contagieux. De forma que basta estar con una persona infectada por unos minutos y ya tienes el virus adentro. Afin qu'une personne, vous êtes en contact avec lui quelques minutes et pratiquement toutes les personnes autour s'en voient infectées. El virus no da síntomas las primeras 2 semanas de incubación. Et le virus ne montre aucun symptôme durant les 15 premiers jours d'incubation. Eso significa que se va a propagar por todo el mundo sin que nadie se da cuenta a tiempo. C'est-à-dire qu'il va se propager par-delà le monde sans que personne ne s'en rende compte à temps. Ese virus ataca las vías respiratorias. Il attaque les voies respiratoires. Ese virus mata a las personas que tienen un sistema inmunitario muy débil. Il tue les personnes qui souffrent d'un système immunitaire fragile. Como personas muy ancianas, personas gravemente enfermas, Comme les anciens ou les personnes déjà gravement malades. personas que tienen problemas de respiración, como el asma, por ejemplo, o fuertes fumadores. Personnes souffrant de problèmes respiratoires comme les asthmatiques ou bien encore les gens qui fument. O claramente por una sobreexposición al virus, como algún médico puede morir por eso. Ou comme on le voit dans de trop nombreux cas, par une surexposition au virus comme les médecins, les infirmières, tous ceux qui font première ligne de front tous les jours au quotidien. O sea, que no está diseñado para
exterminar completamente la humanidad. Donc, il n'est pas dessiné, il n'a pas été développé pour décimer entièrement l'humanité. Sino aparece como seleccionarla. Sinon que pour la sélectionner, Renovarla. la rénover. Pero el primer efecto, ¿cuál es? El primer efecto es el miedo internacional. Le premier effet, quel est-il? Eh bien, le premier effet reste la peur et à un niveau international. El síntoma más dañino es el miedo. Le symptôme qui fait le plus mal, c'est la peur. ¿Qué tiene que hacer alguien que controla la matrix terrestre para tenerla cada vez más aplastada y más controlada? Llenarla de miedo. Que doit faire quelqu'un qui domine, qui contrôle cette matrix à un niveau mondial? Eh bien, simplement continuer d'écraser cette matrix avec cette peur. Como siempre lo ha sido durante toda la historia de la humanidad que conocemos. Et comme on l'a vu durant toute l'histoire de l'humanité que nous connaissons. Siempre ha habido guerras. Il y a toujours eu des guerres. Cíclicamente siempre crisis económicas. Et cycliquement, toujours des crises économiques. Y cíclicamente siempre devastaciones naturales o epidemias. Des dévastations naturelles ou épidémiques. Adesso, ahora, la cosa está hecha más en grande, más rápida, más internacional y todo concentrado en poco tiempo. Et maintenant, les choses, vous vous rendez compte, vont plus vite, s'étendent, sont plus grandes, et là, on est à un niveau international. Ahora sí que la interferencia es verdaderamente potente. Donc là, oui, l'interférence est vraisemblablement puissante. Porque cuando esto termine y no va a prolongarse tanto, empezará otra crisis, la económica. Parce que quand tout cela va prendre fin, il y a une autre crise qui va émerger, et cette fois une crise d'ordre économique. Cuando todas las bolsas ya se han desplomado e irán desplomarse aún más. Quand toutes les bourses auront chuté et vont aller de plus en plus en chutant, en s'effondrant. Los verdaderos ricos y poderosos irán a comprar todas las empresas importantes por poco dinero. Les vrais riches, c'est-à-dire ceux qui possèdent ce capital, iront racheter toutes les entreprises intéressantes et se les approprieront pour une poignée de pain. Las crisis siempre son muy ventajosas para los pocos que mandan. Les crises restent toujours très avantageuses pour ce peu d'individus qui commandent réellement, qui sont aux commandes. El pueblo tiene que ser pobre. El pueblo tiene que tener miedo, porque si no, no lo controlas. Le peuple doit être pauvre et le peuple doit avoir peur, sinon il n'est pas contrôlé. Los señores de la Matrix. Les messieurs de la Matrix. Hacen siempre lo mismo y ahora han exagerado. Font toujours la même chose, mais cette fois ils ont exagéré. Además, ¿qué pasa? Estamos todos parados, todos aislados en nuestras casas sin salir. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'on vit en ce moment? Eh bien, on vit l'isolement, on est tous enfermés à la maison sans pouvoir sortir. ¿Os imagináis los problemas psicológicos y hasta físicos que esto puede producir en personas que por su nivel de conciencia, por su forma de ser, van a desarrollar? Imaginez-vous l'ensemble des problèmes psychologiques, voire physiques, que les individus dotés d'un faible niveau de conscience pourraient être amenés à développer? Van a aumentar los conflictos entre los miembros de las mismas familias. Pensez aux conflits émergents entre les différents membres d'une famille. Va a aumentar la violencia doméstica. La violence domestique, et on s'en rend compte déjà, va augmenter. La gente va a empezar a ser irritable, insoportable, porque vive en un espacio demasiado pequeño, con más personas, constantemente, día y noche. Jour et nuit, les gens vont
devenir de plus en plus irritable, de plus en plus agressif du fait de la promiscuité certaine avec les membres de leur famille dans des espaces toujours relativement réduits. El ser humano, aparte de ser más controlado, también es más funcional porque está produciendo más energías de bajas frecuencias que sirve para mover la matriz. Donc rendez-vous compte, l'être humain devient plus fonctionnel. Il développe, tout en restant confiné, les fréquences qu'attend la matrice. Notad cómo en estos casos nosotros, seres humanos, estamos cediendo nuestro poder, estamos cediendo nuestra privacidad, aceptando todo esto. Regardez à quel point nous autres êtres humains, nous sommes capables de céder notre pouvoir, notre vie privée même au nom de ce qui se passe. A ti el gobierno te dice, no salgas de tu casa, me da igual que tú fracases con tu negocio porque no trabajas. Pero tienes que estar en casa por tu bien y tú lo aceptas. Et le gouvernement te dit, toi, tu vas rester chez toi. Et on se fiche absolument de savoir si ton entreprise va faire faillite. Tu obéis et tu te soumets à cela. Y no te preocupes, porque estamos trabajando a una vacuna. Y cuando llegue la vacuna, porque llegará la vacuna, todo el mundo aceptará meterse dentro de aquella vacuna. Ne t'en fais pas, on travaille déjà à l'élaboration d'un vaccin et on est certain que dès qu'on l'aura sorti sur le marché, tout le monde va se ruer sur ce vaccin pour l'obtenir, pour se faire piquer. Y sabemos que aparte de algunos problemas físicos que las vacunas pueden dar, también tienen un valor esotérico muy importante. Son implantes prácticamente. Estamos más conectados con otras energías. Sans compter l'ensemble des symptômes qu'on peut développer au niveau physique par les injections, on est nombreux à en souffrir, il faut garder à l'esprit l'aspect ésotérique, l'influence ésotérique de ces vaccins qui restent, à mon sens, de véritables implants mis dans le corps. El ciclo se va cada vez regenerando. Pasamos de un estado un poquito más democrático, un poquito más liberal, hasta otra vez un estado más restrictivo, que nos dice no te muevas, yo te tengo que controlar por tu bien y tú lo aceptas. Pasamos a otro mecanismo dictatorial. D'un cycle plus libéral avec une relative liberté de mouvement, de conscience, on arrive peu à peu à un système étouffant où on nous fait comprendre que tout ce qu'on décide pour nous est pour notre bien, si forcément on n'a pas la sensation que c'est le cas, mais il y a une sorte de spoliation des libertés. Es el mismo mecanismo de la interferencia esotérica. Et c'est absolument le même mécanisme que l'interférence ésotérique. Yo te doy mi poder, te doy mi libertad porque tú me proteges y tú lo haces por mi bien. Je te donne mon pouvoir, je te donne ma liberté parce que tu me protèges et parce que quelque part c'est pour mon bien. Y después de la crisis económica, después que los gobiernos te han ayudado con préstamos, con subsidios, ¿qué va a pasar? Que van a subir los impuestos porque tienen que sanar las cuentas, porque te han ayudado, porque han sido buenos y tú lo aceptas. Et après la crise économique, les gouvernements vont mettre en avant le fait qu'ils ont appuyé les citoyens à coups de subventions, à coups d'aides. Donc ça va justifier une augmentation d'impôts parce que le gouvernement va apparaître comme quelque part le père protecteur, celui qui a été là pour s'occuper de toi. Y si no lo haces, te vas a sentir hasta en culpa, porque así se controla un hombre, un ser humano, por las culpas, por el miedo. Et si tu ne le fais pas, si en plus tu te plains de cette augmentation d'impôts, eh bien, ils arriveront à te faire sentir coupable, comme dans le cadre des interférences. Y además, ¿qué pasa ahora que estamos todos en casas asustados o trabajando asustados? Vamos a rezar más porque este Dios nos proteja. Vamos a abrir más nuestros corazones a estos dioses que luego nosotros sabemos que son los señores de la Matrix. Et là, qu'est-ce qui se passe? En plus, on se retrouve enfermé, on se retrouve comme apeuré, on se retrouve comme paniqué. Qu'est-ce que font la majorité d'entre nous? Eh bien, ils prient, ils demandent de l'aide à ce Dieu injuste, ce Dieu qui doit assurer sa protection, leur protection,
contre cette maladie. Donc il y a cette révérence, cet appel à ces dieux de la Matrix. Con esto quiero concluir porque no quiero alargarme más. Podría seguir por horas y horas. Je pourrais poursuivre cette argumentation des heures encore, mais j'aimerais arriver à la fin pour faire quelque chose de plus synthétique. No quiero que esto sea un mensaje de miedo. Quiero que sea todo lo contrario. Je ne veux pas que vous preniez mon discours comme un discours de peur. Solo tenemos que entender qué necesitamos para salir de esta situación, de esta interferencia colectiva. Il nous faut simplement comprendre qu'est-ce qu'on a dans nos mains pour sortir de cette interférence collective. Y cada uno lo debe hacer por sí mismo. Et chacun d'entre nous doit le faire pour lui-même. Porque cuando esto termine, afuera, el mundo que está afuera de nuestras casas, donde nos hemos encerrado, será diferente. Parce que quand un jour nous allons enfin sortir de nos foyers, de nos maisons, ce monde dehors sera complètement différent que celui que nous connaissions avant. ¿Quién quiere ver destrucción? Que la vea. Celui qui veut voir destruction, qu'il la voie. ¿Quién quiere ver nuevas oportunidades? Que las vea. Celui qui veut y voir dehors de nouvelles opportunités alors qu'il les voit. Cuando entendamos todos que somos creadores y todo lo que vivimos lo creamos nosotros, pues cada uno que se cree su situación, su realidad. Quand nous comprendrons que nous sommes quelque part les bâtisseurs, ceux qui façonnent notre propre réalité physique, Melby Delphine, Cada uno crea su propia realidad. chacun d'entre nous crée, et on l'a vu avec moi plus tôt, sa propre réalité physique. Dentro de esta gran realidad, esta gran co-creación que es la Tierra y la humanidad, cada uno que cree su propia realidad según su nivel de conciencia. Et dans cette grande et vaste co-création mondiale d'esprit humain, apportons notre propre création, notre propre façonnage de la réalité. Y merci por haberme escuchado. Et merci de m'avoir écouté. Gracias Nathalie y gracias Aurore por haber estado aquí conmigo compartiendo estos pensamientos. Merci Nathalie et merci à moi. Avec mes deux uniformes, d'avoir partagé, d'avoir mis en avant ces différents thèmes. Merci à vous. Y nada. Au revoir. Au Au revoir. revoir.